His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Na bino banso batali ba digital Congo Television mbote na bino pe simanzange la mutotombe na bino mokolo mwalelo mikolomia sanza tukumi bale na mibale sanza ya mine mobun koto ibale na zone na motoba bino banso bozwile bakuli ya bolandi sango ya biso lokota lingalo simanzanga mokolo mwalelo totombeli bolandi bola mu lokasa ya sango tokofungola yango na boyebisi na bino solote nkumu wa ekolo Joseph Kabila Kabange Sili bongo kozwama o New York yoko engumba ya ekolo États-Unis Amerika pa iwapi akei bongo kozwesika o molulu monene penza ya botali lolenge kani mambi maklima misengeli bongo kotambola kasi bosengeli koyeba yambo ya masote lelo loye mia sanza tukumi bale na mibale sanza ya mine zali mokolo monene e molongo mobimba ekokanisa kapo ya bukundo likambo ya mabele nzoka nde mama likambo ezali mingi penza nzete po ya mabele lokola bino banso bokolanda mabungisi ma Nations Unies ezali bongo elike nene po ya maso olibakuli yango lokola bino banso bokotala wana kumu wa ekolo akitaki olibanda lya pepo ya New York pe akindeki kozwisika ote ya bukutani ewana epai wapi bikolo kama moko ezwamaka obukutani weleki mubu mingi penza ezala komi ya sanza zoom na mibale sanza mibale ya mubu moleki o pari enguba mokonzi ya ekolo France kasingala eye babungisi yango o ekolo États-Unis Amerika epa iwapi nkumu wa ekolo Joseph Kabila Kabange yepe lokola nyataki mabele ma ekolo na uto lobi loleki mokolo mwa mosalamine po ya kuzuisika ote ya bokutani boyewana mingi mingi penza ezali po ya nkumu wa ekolo ya buluki kolakisa elongi ya ekolo Congo Democratique pe akendeki upepo ya Yemei obokomi la ministre Remo Tshibanda Ntunga Mulongo oyo akoyangela kamambi mabuyoka nina bikolo bya bapaya yewana elongo na ba ministre basusu bakozwisika ote ya bukutani boyewana kuna ekolo États-Unis y'Amerika olokasa esusu wana tokobutwa bele maekolo Congo Democratique pe bokeyi omisala mia ministre d'état moyange limambi ma décentralisation lokola pe affaire. Bonjour, bonsoir et oui, vous qui nous regardez bien sûr sur votre émission préférée, il s'agit de Welcome TV. Ah ben oui, c'est bien moi, la sœur Christelle Bunkazi. Je suis sûre que pour ceux qui regardent souvent la télé, vous m'avez sûrement déjà vue. Eh ben oui, aujourd'hui c'est un peu spécial. Je suis venue ici à Welcome TV, votre émission préférée, pour nous entretenir sur un sujet qui est très intéressant. Mais je ne suis pas seule. Je suis venue ici avec des invités qu'on va voir dans quelques minutes ici. Nous allons parler bien sûr de quelque chose de très spécial. Très spécial pourquoi? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être spécial. Nous devons avoir ce petit sel qui fait de nous le sel de la terre. Que le Seigneur vous bénisse, j'espère que vous regardez bien sûr. Restez bien posés parce qu'aujourd'hui c'est assez spécial. Comme je disais tantôt, je suis venue avec des invités assez spéciaux que je vais présenter. Donc je commence à ma droite. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ce soir, tu es venue à l'émission Welcome TV. Pourquoi? Est-ce que tu peux un peu te présenter aux amis de Welcome TV? Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore, ma sœur Christelle, de m'avoir reçue sur cette émission. Je connais au Bazo Nananga en direct. Il y a le monde, il y a Kinshasa, partout. Na pisibino mbote. Je suis votre sœur, cher Stibé, Broye Banga, à la suite, au fur et à mesure, de l'Obelaki et cher Stibé. Maintenant, c'est ici que Christelle a continué, comme ça, la présentation. Exactement, la présentation. Présentation, pourquoi? Parce que oui, je ne suis pas là d'habitude, c'est là. Voilà encore une surprise, c'est votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Je suis là, live sur Welcome TV, information de Tomoni. Makamouzou, le Kavema, très très bien. Nous, les Congolais, de tout le monde, il faut tous à la fière pour Nambo Cannabis parce que l'heure est venue, ou il est déjà venu, où les Congolais, bah, pour prendre soin, il y a Makambounio, surtout, au Tozo Sala.
Alors, bon, on a image notre chef de l'État dans les États-Unis. Donc, à ce moment-là, on a fait des choses qui sont belles. Et puis, bande comme Soussou, tout le monde est à Paris, à Kendaki, à Kitoko. Liste est vraiment à Batou, Bazala qui est belle pour la Koluka Koya, Bazala na Katina rassemblement. Alors, on a l'ingi tout là, on a payé moi discours à Pesa qui a Mukewana na Katina na COP 21 aux États-Unis. Alors, princesse, reportage. Il s'est déroulé ce vendredi 22 avril 2016 au siège des Nations Unies à New York, dans la grande salle de l'Assemblée générale, la grande cérémonie des signatures des hauts niveaux de l'accord sur le climat adopté à l'unanimité par les 195 États participant à la 21e session de la conférence de Paris en France. Parmi les personnalités attendues à la cérémonie, le président de la République Joseph Kabila Kabange a effectué le déplacement de Kinshasa à New York à l'invitation du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon pour venir apposer personnellement sa signature sur l'accord de la COP 21. Un accord historique pour sauver la planète Terre, c'est le cas de le dire, dans la mesure où il s'agit d'un traité contraignant ayant pour objectif de limiter le réchauffement climatique, source de dérèglement et de menaces croissantes pour l'homme et la nature, à moins de 2 degrés Celsius. Intervenant du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État a souligné l'engagement de la RDC à faire accélérer la ratification de l'accord de Paris et à participer à l'effort mondial pour inverser les tendances du réchauffement de la planète. La République démocratique du Congo est consciente de la nécessité d'un effort mondial pour inverser les tendances du réchauffement de la planète. En témoignent les engagements ambitieux contenus dans sa contribution prévue, déterminé au niveau national de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 17% entre 2020 et 2030 par rapport au maintien du statu quo. Cela représente un effort considérable pour un pays qui œuvre résolument pour sa reconstruction et son émergence. Par cet effort exceptionnel qui, dans un partenariat renforcé, mobilise le gouvernement, la société civile et le secteur privé, la République démocratique du Congo entend démontrer sa volonté de soutenir l'effort mondial nécessaire pour maintenir le niveau de la hausse des températures globales en dessous d'un degré et demi Celsius d'ici la fin du siècle et garantir ainsi une vie meilleure aux générations futures. Dans cette perspective, le transfert de technologies, le renforcement des capacités, le financement, la résilience face au changement climatique, ainsi que le développement de sources d'énergie renouvelables sont ses principales priorités. Tandis que ces ressources naturelles importantes et variées en font un membre déterminant d'un partenariat mondial contre le réchauffement climatique. Face au risque de pression supplémentaire sur les systèmes de production agricole fragiles et d'insécurité alimentaire, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, en a appelé au devoir de tous de surmonter l'égoïsme et de privilégier une coopération agissante, mutuellement avantageuse. Ensemble, sans plus attendre, faisons preuve de responsabilité, respectons et mettons en œuvre l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il en va de l'avenir de la progéniture de chacun de nous et de l'humanité, a martelé le président de la République. Deuxième temps fort de la journée après les allocutions des circonstances, c'est la cérémonie des signatures de l'accord de la COP 21. Après le président de la France, pays hôte de la COP 21, François Hollande, et quelques autres chefs d'État signataires, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a signé à son tour l'acte d'adhésion de la RDC à la Convention cadre du changement climatique. Alors, welcome back now, welcome TV. Dès que tout le monde est bien,
notre chef de l'État, dans les États-Unis d'Amérique, l'homme de Nalobique, qui plein dans la liste à battre. Et ça, qui là, au vraiment, n'a pas participé. Alors que, Ndengezana, n'a habité sur Banane, bah, empêche à battre. Bah, il y a n'importe, mais tout le monde, notre chef de l'État, c'est qu'il y a en France, à l'écart qui va sur une Hollande très bien. Les États-Unis, tout le monde, dans ça, vraiment plein. Alors, tout le monde a été l'école à l'article, parce que l'article est né, et au moment, bah, tout l'école à la Constitution, bah, tu comprends, était. Alors, on peut loi la bise sur la Congo et l'obi qui est défendre Batu. Ce qui est au Yébi, qu'on peut s'expliquer à l'article, qu'on le bel yango. Pour ce que le bel yango, donc, bah, au Kangayo. On a répété, loi et l'obi qui est au Yébi sur la Congo, que ceux qui, aux autres comprennent, nous, bah, l'article, on a été, qu'on le baraté. Pour ce que vous définissez, l'article, l'obi boye. Donc, bah, au Kangayo. Alors, on attend à moi, Mouké, comme ça, on a défini, parce que je suis mandaté à le faire. Alors, toujours le bel yango, il y a mon article 70. Batou, Bazolo Batou, l'icolo article wana, Natang la binoango, article, ya constitution, parce que Moutoumoko a touché constitution ya Mboka Azalite. Neto Lobike, notre chef de l'Aza Moutoyo, Yemo Azali Gara ya nation, après taki serment, Azo respecté constitution, jusqu'à présent, tous ceux continuent de respecter Ango, alors Nalina Limbo, Lango Mamouke, et tout comprendre, Bissomo, qu'on n'a ni article Ango Lobby, allez comme ça. Bisomo petoye bandeni ya koloba ke article bo lobi boye ke batumusu baza ko interpréter na ndenge ya BNT. Alors lo ape lobi ke na bato ba ko sala interprétation ya BNT bongo ba okanga bino po bozo le kale kale kala ba internet ko ba n'importe quoi ko sala sala makambo za BNT bon. Article 70 ya constitution o ba sala lo ba boye. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Alors, les amagambo, ils ont clair. Nabandela, l'homme sur le côté de l'État, article 70, c'est le billet. Le président de la République est élu au suffrage universel, direct que pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Nagospiki Angolisus. Donc, en article 73, donc 73, le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Ou en article 73. Article 75 de l'Obibo. En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions des présidents de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par les présidents du Sénat. Babi provisoirement exercées par les présidents du Sénat. Alors, tout banana qu'on décortite moi pour la 3O Nazoua qui a. Premier des points, le bique, l'article 70, c'est le bique, le président de la République est élu au suffrage universel, direct que pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Alors, article clair, Moutou a changé en Ouézate, le bique, président de la République, à côté que la fonction naie jusqu'à l'installation du nouveau président. Si que bino nanu ba installé président ainsi qu'à la Congoté, bino bozo le badja ke muta longa. Ozomo na teke notre sala makamoko oné na baye ke même na mbamboka mususu ba sala la politique nengi wana te. Même na mboka lokola Burundi né na zolo ba o mekate pa kuziza o lo ba na tanga za na mandat soki ndenge ni biso ba tiki démocratie laisser aller. Donc ba zo n'importe